Choisis vos oignons. L'urine de mouton et les cataplasmes de romarinche font des miracles. Je tiens à porter à votre attention que le marchand Medardo de San Polo a été jugé coupable de trahison envers la République Sérénissime. Il sera exécuté publiquement sur la place. Les citoyens de cet amour de la cité sont en cours de restauration. Nous sommes conscients de la gêne occasionnée. N'approchez pas! N'importe quoi! Prenez ce que vous... Tu vas arrêter de faire l'idiot! On est d'accord? Mes prix sont si bas que de plus en plus de ces forcenés! Pas vos yeux! Venez voir! Vous ne serez pas déçus! De nouveaux fournisseurs, toutes les économies que j'ai réalisées. La prochaine fois, puisse la fortune favoriser notre... Pitié! Aidez-moi! Pitié! Aidez-moi! Vous étiez avec les troupes de Bartolomeo? Que s'est-il passé? Où est-il? Les hommes de Silvio ont attaqué. Ils l'ont emmené plus loin dans le quartier. Vers le nord. Requiescat in pace. Vous croyez peut-être que je ne sais pas pourquoi vous m'avez enchaîné.
que je ne sais pas qui tire les ficelles dans le dos de Silvio. Figurez-vous que je me battais déjà contre son flagorneur de maître quand vous pleurnichiez encore dans les jupons de votre mère. Que quand je serai sorti de cette maudite cage, je mettrai un point d'honneur à tous vous tailler en pièces. Je serai sans pitié. Je vais vous trancher la tête et vous l'enfoncer profondément dans ce qui vous sert de croupion. Et tant pis si le résultat n'est pas accordé. Méfiez-vous, je suis capable de tout. Je m'en réjouis d'avance. Vous serez la risée du peuple pour les années à venir. Occupez-vous de lui. Vous n'êtes que des lâches. Je vous ferai mordre la poussière, tous à la fois, avec une main, non, avec les deux, attachés dans le dos. Je parie que vous vous demandez comment c'est possible. Eh bien, libérez-moi. Eh bien, c'est pas trop tôt. Je ne sais pas si je dois t'embrasser ou te gifler. Ou les deux, au cas où. Ça ne sera pas la peine. Qui es-tu ? Ezio Auditore de Florence. Je suis venu vous sauver. C'est plutôt toi qui aurais besoin d'être sauvé. Que voulez-vous dire ? Là-bas ! Arrêtez-les ! Et venez maintenant, avec moi. Allez, viens ! On va voir ce que tu sais faire ! Enfin ! Ça devient intéressant ! Si tu fais ça, tu risques de le regretter. Bien, par ici. Il faut partir. D'accord. Il doit bien rester quelques crânes à défoncer. Et si on évitait le conflit pour cette fois ? Pourquoi ? Tu as peur ? Non, je suis pragmatique. Surtout quand l'ennemi est 100 fois plus nombreux. Là, on va bien s'amuser pour la lentrée. Le voilà ! Abel, il est là-bas ! Méfie-toi sur ton rabras. Celui qui s'appelle Ars me dégourdirait bien les poings. Touchez-moi ! Ah, liberté, chérie. Tu m'as tellement manqué. Silvio a envoyé ses hommes piller vos quartiers. Préparez-vous à les affronter. Ah, je m'en vais. Allez, viens. On va voir ce que tu sais faire. Enfin, ça devient intéressant. Allez, viens. On va voir ce que tu sais faire. Là, on va bien s'amuser. Désolé, je m'étais assoupli. Avec moi. Je vous conseille de vous rendre, si vous tenez à la vie. Jamais ! À quoi bon vivre si je ne peux pas profiter de ma liberté, hein ? Jamais je ne retournerai en cage. Alors tu mordras à la poussière. Tu l'es. Le voilà, restez par moi. On va voir ce que tu sais faire. Il aura pris. Bianca, j'espère qu'elle n'a rien. Ah.
aucun. Quelque chose ne va pas? D'après toi, regarde cet endroit. Pauvre Bianca. S'il lui est arrivé quelque chose. Ah ah! Oh, ma bien-aimée. Dieu merci, tu n'as rien. Ezio, voici Bianca. Bianca, Ezio. Enchanté. Dis-moi, je connais ton nom, mais j'ignore ce que tu fais ici. Je dois m'occuper de Silvio Barbarigo. On m'a dit que vous m'aideriez. Ah, ça sera avec plaisir. Mais il nous faudra être plus que deux si nous voulons... plus que trois pour affaiblir ces hommes. Comment voulez-vous que nous procédions? Je vais partir et préparer mes hommes au combat. Pendant ce temps, je veux que tu libères tous ceux qui ont été capturés pendant l'assaut. Je refuse de les abandonner. C'est hors de question. Bien compris. Je m'en occupe immédiatement. Bonne chance, Ezio. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Si on va lancer la cage dans l'eau, comme ça ils se noieraient tous. Silvio les veut vivants. Il espère pouvoir les rallier à notre cause. Saisissez-le! Laissez-moi partir! Je n'ai rien fait de mal! Merci du coup de main, l'ami. Nous allons combattre à tes côtés, si tu es d'accord. Par ici. Venez avec moi. On est avec toi, l'ami. Montre-nous le chemin. Allons-y. Je ne suis qu'un humble citoyen. Laissez-moi faire permis, Franco! Allez, faire permis, Franco! Dans les bonnes manières!
Alors, on va se servir, prends le temps. Nous venons avec toi. Ensemble, nous allons finir avec ce Barbarigo. Il est là! Allez-y! Sois filé! Presto! C'est libre et nous de nous offrir seul. Ah! Les brutes! Pardonnez-moi! Si je vous importunais, jamais... Encore un mort! Nous sommes payés pour corriger ce terrain. Trouvez... Ah! Oh! Approchez. Surtout, portez-vous bien. Dans le Grand Canal, un décret a été adopté pour interdire. Dans ce cas, à bientôt, mon ami. Reviens par ici! C'est un combat loyal que je veux! Hé, Stronzo! Tu cherches des ennuis? Qu'est-ce qui t'arrive? Ta femme n'est plus aussi entreprenante? Le Star Pellegrino nous a signalé le naufrage d'un navire marchand, le Dédard! Il aurait coulé avec tout son équipage au large de Thessalonique! La République est exilée des condoléances! C'est quoi son problème? Je sais pas ce qu'il a bu, mais j'y goûterai bien. Il est là! Allez-y! D'accord, pas de risque inutile. Attendez le bon moment. Ah, diable! Cela ne concerne en rien. Je ne suis pour rien. Oh,
Allez! Infligez-leur une bonne correction! Sur le côté! Allez! Votre attitude est consternante. C'est remède. Vous avez déjà meilleure mine. Salute, Ezio. Content de te revoir. Beau travail. Mon armée va bientôt renouer avec sa gloire d'antan. Et Silvio ne va pas tarder à se rendre compte qu'il a commis une terrible erreur. Quel est votre plan? On fonce à l'arsenal et on donne l'assaut? Non, on se ferait massacrer aux portes. Je pensais à autre chose. Emmène les hommes, qu'ils se dispersent dans tout le quartier. Silvio sera contraint de déployer la plupart de ses gardes pour les contrer. Et quand les mercenaires auront tous quitté l'arsenal, je pourrai alors passer à l'acte. Exactement! Ce sera un jeu d'enfant. S'il mord à l'hameçon. Ça va marcher! Crois-moi. Suivez-moi. Attendez ici mon signal. C'est compris. Bien, par ici. Thank you.
Avec moi. Ne bougez pas d'ici. Comptez sur moi. Venez. Voilà, vous allez attendre ici. On attend le signal avant d'agir. T'es prêt? Ouais. Tous tes hommes sont en place. Bene, bene. Prends ceci. J'imagine que tu sais t'en servir. Cherche le point le plus élevé de ce quartier. Une fois en haut, allume-la. Mes hommes attendront le signal pour lancer l'attaque. C'est compris. On se retrouve sur le champ de bataille. Je ne veux pas manquer ça. Des armures, des articles de ferronnerie et de serrurerie, mais aussi de la vaisselle.
Le style et la qualité au service des médias depuis 3 générations. C'est la Tokyo. Attention, tous les voyageurs en provenance de la côte sud de la Dalmatie devront être examinés par un médecin. Une épidémie de peste s'est récemment déclarée dans cette région. Bartolomeo a besoin de moi. Je dois retourner à l'arsenal. Salut, Ezio. Je peux vous tenir compagnie ? Avec plaisir ! Attrape-le ! Il est plutôt coriace, pas vrai ? Mourir par sa main est un véritable honneur. J'espère ravaler tes paroles, puto de moda! Porca putana! Allez! Il est temps d'en finir avec ce gros tas de graisse! Tu crois que je ne sais pas pourquoi tu es ici? Tu arrives trop tard! Tu ne peux rien faire! Le temps presse! Reviens tout de suite! Il faut partir! Ezio, vas-y! Cette brute devrait te conduire jusqu'à son maître. Mes hommes et moi, nous allons rester ici et empêcher les gardes de te suivre. Vite! Ils vont partir sans nous! Thank you.
Je ne comprends pas. Pourquoi ces bateaux? Tu ne cherchais pas à prendre la place du Doge? C'était une diversion. Nous voulions seulement partir, mais... Pour aller où? Je ne dirai rien. Chypre. C'est là-bas qu'ils vont. Ils cherchent... Ne redoutez pas les ténèbres. Accueillez-les, acceptez leur étreinte. Requiescant in pace. Bien joué, Edge. Silvio a été vaincu. Et le quartier militaire est de nouveau sous contrôle. Si tout se passe bien, Venise va enfin renouer avec la paix et la tranquillité, comme au bon vieux temps. Nous allons célébrer cette victoire. Cette nouvelle me réjouit, Bartolomeo. Mais je dois partir. Ma mission a pris une tournure plutôt inattendue. Que veux-tu dire? Silvio ne cherchait pas à prendre la place de Marco. Il voulait faire diversion, rien de plus. En secret, il se préparait à quitter Venise. Pourquoi? Ça, c'est ce que je dois découvrir. Ezio, tu es là. Et ne fais pas cette tête. C'est mon anniversaire. C'est vrai? Il faut à tout prix fêter ça. C'est un grand jour. Vraiment? Ça fait déjà 10 ans que mon père et mes frères sont morts sous mes yeux. Déjà 10 ans que je traque les responsables. Et aujourd'hui, je touche au but, mais... Mais je ne sais toujours pas pourquoi ils ont été assassinés. Tu n'en es pas conscient, Ezio. Mais grâce à toi, beaucoup de choses ont changé. Basta. Regarde. J'ai un petit cadeau pour toi. Daté du jour où le bateau a levé l'ancre. Le manifeste de l'Arsenal. Le bateau pour Chypre? Tu es sérieuse? Et devine pour quand son retour est prévu? Demain. Ezio. Leonardo, quand es-tu rentré? À l'instant. Je dois te parler. Tout de suite. Je vous laisse. Amusez-vous bien. Ça ne pouvait pas attendre. Oh non. Désolé. Viens, marchons, suis-moi. Les deux dernières pages du brief. J'ai étudié des copies. J'ignore comment ce détail a pu m'échapper. Mais en les mettant côte à côte, je me suis aperçu que les inscriptions au verso formaient des mots. Écoute, le prophète apparaîtra quand le deuxième fragment aura rejoint la ville de l'eau. Le prophète? Seul le prophète peut l'ouvrir. Deux fragments d'Éden. Qu'est-ce que tu dis? Ezio, explique-moi! Nous nous connaissons depuis longtemps, Leonardo. S'il y a quelqu'un à qui je peux faire confiance, c'est bien toi. Mon oncle Mario m'a parlé de ça il y a longtemps. Une prophétie cachée dans le Codex. Elle évoque un ancien sanctuaire, renfermant quelque chose de très puissant. C'est fascinant. Mais si tu appelles ces pages au Barbarigo, ils savent sûrement où se trouve le sanctuaire. C'est terrible. Attends. Alors c'est pour ça qu'ils ont envoyé ce bateau à Chypre. Ils veulent trouver ce fragment d'Éden, pour ensuite le ramener à Venise. Quand le deuxième fragment aura rejoint la ville de l'eau, le prophète apparaîtra. Seul le prophète peut ouvrir le sanctuaire. Mon Dieu! Quand mon oncle m'a parlé du Codex, j'étais trop jeune. Trop désinvolte, je pensais que son imagination lui jouait des tours. Mais tout c'est clair. La mort de Mocenigo, des Medici, de mon père, de mes frères,
Il avait tout prévu, ce qu'il voulait. C'était trouver le sanctuaire. L'Espagnol. Rodrigo Borgia. Le bateau doit rentrer de Chypre demain. Et je serai là pour l'accueillir. Bonne chance, mon ami. Nous rappelons à tous les citoyens que certains ponts de la cité sont en cours de restauration. Nous sommes conscients de la gêne occasionnée, mais nous vous rappelons qu'il est inutile de s'en prendre aux... Je suis là pour vous soigner. Approchez, mes amis! Je m'en fous! Vous ne le regretterez pas. Revenez me voir souvent. Salute, Claudia. Tu veux consulter le livre ?
À bientôt, Ezio. Mes amis, prenez le temps de regarder. Vous ne trouverez pas meilleur. Eh bien, qu'avez-vous, mon ami? Dans ma modeste galerie. Nous informons les marchands faisant venir des épices. Tant que de nouveaux tarifs leur seront imposés, ceci afin de financer les coûts de réparation de l'arsenal. Tous les marchands de ce pas. Ces remèdes traditionnels sont les trésors. Tu vas devoir obéir à nos règles. Venez, venez, ne soyez pas timide. Je propose des articles de ferronnerie except. Et là tout à l'heure. N'oubliez pas, dans la forge de Bertuccio, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Des armes, des armures. Cazzo! Descendez la bouche! Mais aussi de la vaisselle. Le style et la qualité au service des Vénitiens depuis trois générations. Bertuccio, c'est à San Polo. Votre attention! Jamais le Seigneur ne te pardonnera de tels péchés. Descends, c'est moi qui peux descendre.
Luther Boy. Oncle Mario? Où est-ce qu'il l'emporte? De Sainte-Anne. Il ne manque pas d'audace. J'ai un élixir qui appartient aux avertissants des citoyens que les récentes campagnes visant à défendre nos intérêts à l'étranger ont vidé les coffres de la République. En conséquence, un impôt sera prélevé sur toutes les marchandises importées qui ne seront pas jugées indispensables. Nous a signalé le naufrage d'un navire marchand, le Dédale. Il aurait coulé justice, avec tous les équipages. C'est en ton nom qu'il vient à nous. La République exprime ses condoléances aux familles et victimes. De nouveaux fournisseurs. Toutes les économies que j'ai réalisées, c'est vous qui en bénéficiez. Descends, me tue ! Que fais-tu là ? Descends ! Ou alors, j'ai décidé que les fabricants de feux d'artifice.
ne sont fabriqués dans les meilleures forges du pays. Si vous aimez le luxe, que je la reverrai. Ceci afin de financer les coûts de réparation de l'arsenal. Vous les marchands ne sont pas concernés. Merci de consulter le texte du décret. Soyez pas timide, approchez! Le maître attend. Il ne tolérera aucune erreur. Emballez-le bien, ne perdez pas de temps. L'Espagnol est ici. Voilà qui change tout. Si je pouvais infiltrer ce groupe, prendre la place du messager, il me conduirait tout droit à ce filio des putanes. Descends! Là-bas, capturez-le, ragazzi! Ne soyez pas timide, approchez! Ce n'est pas le moment de faire n'importe quoi. Reste avec les autres. Ne me déçois pas. On t'offre une récompense pour nous avoir gâché la journée. Continue, tu seras pas déçu. Plus de bêtises. Compris? Encore une scène de ce genre et je te découpe en morceaux. J'ai 4 assassinats et 2 vols à résoudre. Le mois dernier, si je te coupais la langue, je pourrais t'accuser de tout. Je voterais même en grâce. Si on se revoit, tu le regretteras. D'être mal dans vos bottes? Vous avez les orteils froids et mouillés à cause de la pluie? Pas de temps à perdre. Vous devez vous occuper de la santé de vos pieds. Chez Faccio, vous trouverez les bottes qu'il vous faut. Vous l'avez vraiment? On ne vous a pas suivi. Ne craignez rien. Tout s'est bien déroulé comme prévu. Nous avons suivi vos ordres à la lettre, je puis vous l'assurer, maître. La mission à Chypre s'est avérée plus difficile que prévu. Il y a eu des complications. Mais nous sommes revenus avec la relique.
Nous en avons pris grand soin et nous vous l'apportons comme convenu. Maintenant, nous espérons que vous saurez vous montrer généreux sans vouloir vous offenser, bien sûr. Eh bien. Ezio, ça faisait longtemps. Non, non, laissez-le-moi. Rodrigo, alors, où se cache-t-il ? Qui ? Ton prophète. Je n'ai vu personne apparaître, Rodrigo. Combien d'innocents sont morts pour ça ? Pour ce qui est dans cette boîte ? Regarde, il n'y a que toi et moi ici. Tu prétends ne pas avoir la foi, et pourtant tu es là. Tu ne comprends pas ? Le prophète est déjà parmi nous. Je suis le prophète. Maintenant, donne-moi la pomme. Pourquoi ne viens-tu pas la chercher ? C'est tout ce que tu sais faire. Et où sont passés tes amis ? Mais quels amis ? Tu fais semblant de ne pas comprendre, hein ? Garde ! Mario ! Ne t'inquiète pas, Ezio ! Nous sommes tous là ! Volpe ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Nous pourrions te retourner la question ! Trêve de bavardage ! Il faut à tout prix arrêter Pancho ! Avanti ! Règle-lui son compte. On est avec toi. Allez, bande de lâches. Je vous attends. Donc, je suis ravi de vous prendre le crâne. C'est pitoyable. Tu peux changer ce qui est écrit. Tout ce que le sanctuaire enferme est à moi. Regardez, mes amis. Ezio est un authentique guerrier. Attention! Quand on cherche le renard, on finit par le trouver. Tu sais quoi? On va faire ça. Tu vas perdre cette bataille en Belgique. Et tu vas périr.
cette guerre, c'est bien avant que toi et moi ne nous empêchions. C'est tout ce que j'ai, mec. Prendre un Templier pour taper sur un autre. Bien, Ezio. Tu as fait des progrès depuis la dernière bataille que nous avons livrée. Bravissimo. Il faudrait faire ça plus souvent. La mort de tes frères n'était pas nécessaire. Je les ai tués pour mon seul plaisir. Nos autres Templiers sont sans pitié. Ça, c'est pour mon père. Sale. Paola ? Il est parti. Mais nous avons ce que nous voulions. Non. Il faut que je le rattrape. Ce n'est pas le moment. Ou bien es-tu là pour une autre raison, mon fils ? Théodora ? Toi ? Mais pourquoi êtes-vous tous là ? Probablement pour la même raison que toi, Ezio. Nous attendons la venue du prophète. Je suis venu tuer l'Espagnol. Je me moque bien de votre prophète. Il n'est pas venu. Non. Mais toi, oui. Quoi ? La venue du prophète a été annoncée. Et à notre grande surprise, te voilà. Pendant tout ce temps, c'est toi que nous attendions. Quoi ? Qui es-tu ? Niccolò Di Bernardo dei Machiavelli. Je suis un assassin, formé selon des rites ancestraux pour veiller sur l'avenir de l'humanité. Comme toi et comme chacun de nous ici. Vous êtes tous des assassins ? Paola ? Volpe ? C'est exact, Ezio. Pendant toutes ces années, nous t'avons guidé. Nous t'avons enseigné tout ce que tu devais savoir pour nous rejoindre. Je crois qu'il est temps. Nous avons la relique, mais il reste beaucoup à faire. Rejoins-nous au coucher du soleil. La Shaya Wakiun Mutlak Maleb Nkulun Munkine. Tels sont les mots que nos ancêtres ont prononcés. Ils sont le fondement de notre credo. Quand les hommes suivent la vérité aveuglément, rappelle-toi... que rien n'est vrai. Quand la morale ou la loi bâillonne l'esprit des hommes, rappelle-toi... rappelle-toi que tout est permis. Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. Nous sommes des assassins. Rien n'est vrai. Tout est permis. L'heure est venue, Ezio. Les temps ont changé, et notre credo lui-même a évolué. Mais notre engagement est indéfectible. Es-tu prêt à nous rejoindre ? Je le suis. Sur le moment, c'est un peu douloureux. La vie est ainsi faite. Benvenuto, Ezio. Te voilà l'un d'entre nous. Bien, nous avons affaire. Est-ce que ça va ? Tu veux arrêter ? Non ! Je dois y retourner ! Maintenant ! Oh non ! C'est pas vrai ! Sean ? Bien sûr ! Comment ai-je pu oublier ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Y a un problème ? Rodrigo Borgia est devenu pape en 1492, ce qui signifie que le pire ennemi d'Ezio est maintenant l'homme le plus puissant d'Italie. Il est là le problème.
J'ai toujours rêvé de visiter le Vatican. Alors, c'est ton jour de chance. C'est exactement ce que tu vas faire. C'est fascinant. Vraiment, c'est fascinant. Qu'est-ce que c'est, Leonardo ? À quoi ça sert ? Je ne peux pas l'expliquer, pas plus que je ne peux expliquer pourquoi la Terre tourne autour du Soleil. Tu veux dire le Soleil autour de la Terre ? C'est fabriqué avec des matériaux qui n'existent pas encore, et pourtant, il s'agit à l'évidence d'une relique très ancienne. D'après le Codex, il s'agirait d'un fragment d'Éden. L'Espagnol l'a appelé la pomme. Comme la pomme d'Ève ? Le savoir interdit ? Tu sous-entends que cet objet ? Elle ne doit jamais tomber en de mauvaises mains. Les esprits faibles n'y survivraient pas. L'Espagnol serait prêt à tout pour la récupérer, cela ne fait aucun doute. Ezio, tu vas devoir mettre à profit tout ce que je t'ai enseigné pour la protéger. Porte-la, Forli. Une citadelle imprenable, défendue par des canons, et sous contrôle d'un de nos alliés. Et qui est cet allié ? Une femme qui s'appelle Caterina Sforza. Si je m'attendais, je sens que cette mission va me plaire. Encore merci pour tout, mon fidèle ami. Leonardo, Ezio m'a dit que tu te rendais fréquemment à Milan. Je possède une grande villa en Toscane. Passe donc me voir un de ces jours.
amis. Ici, le client est roi. Et moi, je suis l'empereur. Toute personne... Non, non, n'approchez pas. Venez, mes amis. Cette semaine, tous mes prix... Campagne et l'épidémie de peste ayant décimé la population. Arrière, assassin! Vous vous enfuirez! Garde! Ce qui est à moi, je crois qu'il reste un lit de libre au donjon. C'est très confortable, je t'assure. Et pas très pesant, quoi. Là-bas! Allez! De San Paolo. Nos fonds ayant été dilapidés par l'ancien recteur qui a depuis été exécuté, la fête annuelle qui devait se tenir dans le grand hall a dû être annulée. Si vous achetez deux triptyques ou plus, nous vous offrons une fresque pour une petite. N'oubliez pas de parler de moi à votre entourage. Je le dois voler de Santa Chiara et prier de se manifester. Bientôt, vous irez beaucoup Soyez mieux. Bienvenue dans ma mosse. Ce n'est rien. Passez une bonne journée. Je comprends parfaitement. Ciao. Allez. Pas de la fausse monnaie, j'espère. Si vous passez dans le coin, venez me voir. Thank you.
Leonardo. Ezio, content de te voir. Que puis-je faire pour toi? Ha ha! Tu en as trouvé une autre. Très intéressant. Je vois. Si je réorganise ces lettres... Voilà, c'est fait. Salute, Claudia. Tu veux consulter le livre ? À bientôt, Ezio. Andiamo!
Gare! Fight!
faire ça. Attention! Nous rappelons à tous les citoyens que certains ponts de la cité sont en cours de restauration. Le détail 3 est mouillé à cause de la pluie. Pas de temps à perdre. Vous devez vous occuper de la santé de vos pieds. Chez Patio, vous trouverez les autres s'il vous faut. Les inondations des quartiers qui font face au lit. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je l'ai forcément. J'ai rêvé ou quoi? J'aurais bien besoin de repos. Rien que de le regarder, j'ai des frissons. Votre attention! Je tiens à porter à votre attention que le marchand Médard de San Polo a été jugé coupable de trahison envers la République d'Égypte. Il sera exécuté publiquement sur la place Tamar dans 2 jours à qui font face au Lido ont causé de nombreux dommages. La prudence est recommandée aux abords des sites de construction. Mettez-vous de lui et rappelez-vous ce qu'on vous a appris, capitaine. Un meurtrier! Nous nous sommes signés avec le Beg.
Je peux soigner tous les malades. Attention ! Tous les voyageurs en provenance de la côte sud de la Dalmatie devront être examinés par un médecin. Une épidémie de peste s'étant récemment déclarée dans cette région. Pour le bien de tous, veuillez consulter le plus vite possible. Deux triptyques ou plus. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Vous souhaitez acquérir des articles de qualité à prix abordable. Ces remèdes traditionnels sont les trésors de la.
suite. Bon moment! Il est malin, il est là! Allez, restez en place! Il va se fatiguer! Ah, ça non! Ah, ça non! Là-bas! Là-bas, c'est lui! Il va blesser quelqu'un.
bâton. Le tsar était impuissant. Il ne pouvait plus contrôler ses sujets. Ah ! Révolution ! Tiens, tiens. Regardez qui est là. Madonna. J'ai tout de suite compris que vous n'étiez pas n'importe qui, mais un assassin. Suivez-moi, trésor. Vous allez adorer Quarville. Les canons de notre belle citadelle sont centenaires. Je puis vous garantir que votre relique y sera en sécurité. Pardonnez-moi, mais je n'avais jamais rencontré une femme qui gouverne sa propre cité. Je suis un peu impressionné. Eh bien, autrefois, c'est mon mari qui régnait, mais... il est mort. Oh. Je suis désolé. Je l'ai fait assassiner. Oh. Nous avons découvert que Girolamo Riario travaillait pour le comte des Templiers. Il dressait une carte des lieux où sont cachées les autres pages du Codex. Je n'ai jamais porté ce sale traître dans mon cœur. C'était un mauvais père. Un amant médiocre. Et un compagnon exécrable. Regarde. Oh non. Attendez. Que se passe-t-il ? Ils sont arrivés quand vous avez quitté les remparts, signora. La cité est attaquée. Quoi ? Par qui ? Par les frères Orsi, signora. Ah, qu'ils soient maudits ! Qui sont les frères Orsi ? Les crapules que j'ai engagés pour tuer mon mari ! C'est l'Espagnol qui est derrière tout ça. Les Orsi ne s'intéressent qu'à l'argent, pas au pouvoir. Mais comment a-t-il su que la pomme était ici ? Nous venons à peine d'arriver. Ils ne sont pas là pour la pomme, Ezio. C'est la carte de Riario qu'ils sont venus chercher. Ne parlez plus de cette carte, Niccolo. Mes enfants sont à l'intérieur. Oh, porco demonio! Ah, rattrapez-le! Par tous les saints! Ah!
chair. Ils sont entrés. Ils ne perdent rien pour attendre. Vous savez s'il existe un autre accès? Attendez. Oui, peut-être. Un ancien tunnel qui longe le mur ouest en partant du canal. Bene. Je reviens tout de suite. Hé, hey, vous! Oui, vous! C'est à vous que je m'adresse! Bande de chiens galeux! Alors comme ça, vous occupez ma cité? Vous occupez ma demeure? Et vous croyez que je vais rester les bras croisés? Et si je venais vous émasculer? Quel genre d'homme êtes-vous? Vous êtes prêt à vous rabaisser pour seulement quelques pièces? Je ne vous fais pas peur, mais croyez-moi, ça va changer. Je vais vous trancher la tête. Je vais me soulager sur vos troncs décapités et je vais m'essuyer sur vos faces de rats. Et pour finir, je vous planterai une fourchette dans les bourses et je les ferai rôtir au feu de bois. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ça vous amuse? Vous riez bêtement parce que je suis une femme? C'est à cause d'eux que vous ne me croyez pas? Les têtes, les miettes. Je parie que vous aimeriez bien les voir, pas vrai? Vous auriez envie de les toucher, de les lécher. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Approchez si vous êtes des hommes. Que je vous fiche un bon coup de pied dans l'entrejambe. Je vais vous les faire cracher par la bouche, vos rognons. Vous n'êtes que des ordures purulentes. Je vous conseille de rentrer chez vous, et plus vite que ça. Sinon, je vous fais empaler et je vous laisse pourrir devant les murs de ma citadelle, jusqu'à ce que vos cadavres soient décomposés. Ah... Attendez. Finalement, c'est peut-être pour ça que vous restez. Vous avez envie qu'on vous chatouille le gros intestin avec une pique? Avouez! Dieu tout-puissant! Je me demande bien où ils sont allés vous chercher. Laissez-moi deviner. Dans un couvent, c'est ça? De toute ma vie, je n'avais encore jamais vu pareille bande de foussards. Mais regardez-vous un peu. Quel spectacle pitoyable vous nous offrez. Déjà que vous n'êtes pas des hommes, qu'est-ce que ce sera quand je vous aurai tous castrés?
s'agirait de Valet Gaspon. Je te laisse le dire. Voilà. Arrêtez-le. Le voilà. Arrêtez-le. Épargnez, je ne suis pas celui que vous croyez, je vous jure. Danato, il va s'enfuir. Le voilà. Vite, il va s'échapper. Un élixir fait à partir de plomb et de gras. Tuez-le ! Tu ne peux pas fuir !
trouver ici. Tuez-le. Attrapez-le. Bianca et Ottaviano. Je suis désolée, signora. Ils étaient sortis jouer avant l'attaque, je ne sais pas où ils sont. Des renforts arrivent par les montagnes! Ils vont pénétrer dans la citadelle! Ezio, empêche-les d'approcher, ces fils de chiens! Suis-moi!